YouTube, bonjour, bienvenue. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Ça a remarché, voilà. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode sur... Sur Zelda Tot, je sais pas pourquoi. Oh là là. Je sais pas pourquoi... Roi Griok. Il doit y avoir une... Une quête par rapport à ça? Je sais pas qu'on a fait une quête par rapport à Griok. Bon, en même temps, on a récupéré tellement de quêtes que... au bout d'un moment... Étrange phénomène, achète. Bref. Donc nous, la dernière fois, nous nous étions laissés... Après avoir récupéré de la Dracorok et surtout une griffe de Rordrak, ce qui est pas mal. On a cherché les étoiles. Surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait toutes les stèles. Et oui, on a toutes les stèles. Déception, nous n'avons pas de récompense supplémentaire. Parce que vous savez bien qu'on est vénal. Et Cupide. On a acheté la suite de la... On doit avoir chaud là, dis donc. Les deux parties manquantes qu'on avait de la tenue qu'on n'avait pas de la tenue Piaf, justement. Et là, il nous reste un truc de la tenue Gerudo à acheter, tant qu'on a des sous. Hein, voilà. J'ai un peu chaud. Mais ça s'est bien reconstruit, dis donc. Oh, dommage, on ne peut pas acheter les... Oh, c'est con, ça. On ne peut même pas racheter la tenue femme. Bon. Hop là. Bonjour. C'est quoi cette ambiance chelou, là? Qui manque? Ah, mais c'est pour ça. C'est parce que vous l'avez pas, en fait. Parce que vous l'avez pas. Ah mais si, bon. Il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait. Du coup, il nous manque le plastron, c'est ça? Tout à fait. Parce que ça a coûté une blendasse. Oh, ça aussi, ça coûte une blendasse. Mais c'est utile, et c'est 20%. De toute façon, il va falloir les acheter, donc autant les acheter. Non, pas vous. Je lis pas ce que vous dites. Il y a des petits trucs là. Vas-y, pousse-toi là. Je me prévois. Pas possible. On peut pas les acheter en plus. Ça a pas changé. Regardez ça. Et même pas un nouveau modèle. Juste prendre ça parce que c'est bien pour la protection. Elle me demandait pas d'ombre. Ah non, ils en demandent plus. Bon, c'est chelou ça. C'est cher, mais. Qui a besoin d'une protection archéonique? Ah, maintenant c'est attaque. Pardon, excusez-moi. C'était pas bien.
Contre les fortes chaleurs. Vasak ! Tu te calmes ? Hey ! Hey ! Vasak ! Mais calme-toi. En fait... Toujours. Hi. Toujours vérifier. Oh, nouvelle échoppe qui n'existait pas avant. Ah si, peut-être. Ce sont les cours ? Ah oui, oui, c'est par rapport à la cuisine. Oui, là, le truc est toujours à 3 km du truc. C'est que ce n'est fait que pour les Gerudo. Hein. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit coucou vite fait à Mamzelle ? C'est chelou, oui, le... Toujours en train de poser, elle. Link, je suis contente que tu sois là. Et que dis-tu de mon pouvoir de sage? Est-ce qu'il t'a été utile? Oh, grandement! T'es la plus utile, ma grande! T'es la plus utile! Je n'ai encore rien trouvé concernant le cinquième sage, mais j'ai bien l'intention de continuer à chercher. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas rendu. On n'est pas allé voir Proua, merde, il est sa face, tu sais. Comment ça, tu as trouvé le cinquième sage? Je vois. Il s'agirait donc d'une Sonao du temps, des temps anciens, répondant au nom de Mineru. Elle combattra à nos côtés en tant que sage de l'esprit, bien qu'elle ait péri il y a longtemps. Ça me redonne du courage. Ah bon. Oh, à propos, je ne sais pas si ça peut t'intéresser, mais après m'être éveillée en tant que sage et être revenue dans la cité, j'ai décidé d'explorer les sous-sols. J'ai découvert un texte ancien et voici ce qu'il disait. Suis la direction donnée par les guerrières de sable. Encore ? Pardon, excusez-moi. Tu trouveras sous tes pieds un trésor. En sommeil. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec Zelda, mais c'est formulé comme un indice. Tu ne trouves pas? Les guerrières sur le sable, un trésor en sommeil. Ça vaut sans doute la peine que tu t'y intéresses. Ok. J'ai envie de lire son journal. C'est pas bien! Ça, on avait déjà lu. Nous craignons le pire pour le royaume d'Hyrule. La calamité vient de frapper le peuple des Gerudo. Une brume, blablabla, ça on avait déjà lu, blablabla. J'ai payé mon rôle de chef. Les portes fortifiées et solides. Aucun monstre ne viendra à bout. Ça on avait déjà lu. Ah, ça peut-être pas. Je ressasse constamment les événements survenus depuis l'arrivée de Link dans notre cité. Le combat au bazar à sec, l'offensive menée par les Gibdo sur la cité Gerudo, la fresque dans la cité souterraine, et bien sûr l'apparition de ce gigantesque sanctuaire de temps révolu.
l'ancien sage qui, je pense, était mon ancêtre et dont les paroles nous ont guidés dans le sanctuaire. L'élimination de la chef des Gibdo et l'apparition de la pierre occulte, sans oublier mon éveil en tant que sage. Et enfin, la disparition de la brume de sable. En vérité, beaucoup de choses se sont passées depuis la venue de Link. Il est tout à fait extraordinaire. En sa présence, rien ne paraît impossible. Putain, non mais... Est-ce qu'on aurait une autre fangirl ? Après... Quoi ? Non, après, pardon. Attends. Cours. Cours, j'ai oublié son nom. Non, la pauvre Paya, c'est Paya. C'est Paya, c'est Paya, c'est Paya. Après Paya, qui maintenant est fan de Tauro. Maintenant, on aurait Riju. T'inquiète, moi aussi, je t'adore. Du coup, nous avions dit, on a des trucs à rendre au monsieur des limites. Voilà. Na. On est superbe. On doit toujours, bien entendu, pécho le Nedrak. Enfin, pécho, non, pas pécho, mais... au moins le rencontrer pour avoir de la Dracoroche Nedrak. Mais aussi... qu'est-ce qu'on n'a pas du Nedrak ? On a une écaille. Une griffe. Je crois qu'on a une corne. Attends, si, c'est ce truc. Ah, Nedrak, on a corne. C'est pour... Mademoiselle ! Madame, pardon, c'est madame. Qui nous faut une corne ? Mais il nous faut une griffe. Et on a besoin aussi de griffes d'Ordrak. Mais si, sinon, Nedrak, c'est bon pour la... l'écaille. C'est vrai, je vous ai pas montré ma paravoile. La dernière fois, on avait changé pour la paravoile archéologue parce qu'on avait obtenu. C'était la récompense pour avoir récupéré toutes les stèles. Youpi. C'était un tissu d'archéologue. Du coup, on a le... Voilà, le tissu archéologue. Kakuda. Allez, un beau Griok. Il peut même faire le roi Griok. Et ouais. Donc en ce moment, on a celui-ci, hein. On n'a pas beaucoup utilisé. Mais si, on vient... Je viens vous le montrer, mais je vous l'ai pas dit. Donc le Kakuda, c'est ça. Il est mieux quand même que le chuchu. Hein, mais d'accord. Le Linel, ça on avait vu. Il est très beau quand même. Le Griok. Alors il nous manque Autruche d'Ordine, Ours Empereur, Stalinox. Autruche d'Ordine et Ours Empereur. Ok. Et Griok, quand même. Non, c'est plus Griok, là. C'est quoi qu'on voit ? C'est Stalinox, pardon. S'il a pas bougé de place, normalement, il y a un Stalinox.
Je dis ça avec les souvenirs de Breath of the Wild. Il y a un Stalinox dans les geôles du château d'Hyrule. Ok ? Il a peut-être bougé de place. Donc, autruche d'Ordine et ours empereur. Non, c'est bon. Autruche d'Ordine. Autruche. Attends, fais voir ce que ça donne. Cornes. Ah oui, bah du coup, toutes les cornes et de la viscère et des ailes. Alors, autruche. Autruche d'Ordine. On n'a pas tous les chevaux! Écureuil, sanglier. Loup. Ours empereur. Chaîne des bras, hauteur Gerudo. Voilà, ce serait l'ours empereur. Du coup, on va se couvrir un petit peu. Toujours pas. Là. Pas du tout. Alors. Hauteur. Voilà, ce sera pas trop en hauteur. Là. Je crois qu'il y en a un dans le coin. Non, il y avait des monstres. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors là, tout de suite, il n'y a pas d'ours empereur. Ah ! La saloperie, elle a pas bougé. Je suis sûre qu'il était déjà là, celui-là. Il va quand même monter. Ouais, moi, je monte comme si j'avais la tenue... La tenue d'escalade. Je sais même pas là, si ça va se lever, là, Link. Link, tu as intérêt à lever tes fessiers. Ah si hein. Oh merde. Oh shit. Oh nul. Oui, je sais, la forêt Korogu est bizarre. On aurait peut-être dû choisir Ebra. Hein. Peut-être. Ah, je sais, on aurait dû choisir l'autre côté des hauteurs Gerudo. Et moi, je continue à monter comme si j'avais... Attends. Mince, oh... Attends, on va plutôt aller en Ebra. Ou alors de ce côté-ci, des hauteurs qui... J'ai aucune. Là aussi, en fait, j'ai rien de ce côté-ci. Pas possible. Où c'est qu'on l'avait croisé, cet ours empereur? Où c'est qu'on avait croisé cet ours empereur? Où c'est qu'on avait croisé cet ours empereur? On l'avait pris en photo quelque part, ça, c'est certain. Mais où? Où il est le monsieur? Bah visiblement pas dans le coin, hein.
Bon, j'ai cru que ça bipipait. Stop it. Du pognon. Je ne vous lâcherai pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, c'était trop facile, hein. Mais on peut se servir de ça. Ok, ça marche pas. Oh, c'est bon. Ah si, ça marche. Ah, vas-y. Tu vas me donner quoi cette fois-ci ? Et voilà. Du coup, il est resté penché, hein. Des boulettes. Des fleurs bombes. Allez, salut. Là où il y a le grillon. Il y a des choses. J'ai vu un... Saloperie. Allez, c'est passé. Non, non, tu gardes. Allez, salut. Attends, il y a des... du coup, ordine... est-ce qu'il y a une précision sur la région d'Ordine ? Où sont les autruches ? Pigeon. Montagne de la mort. Chaîne d'Ordine. Ok. Montagne de la mort, chaîne d'Ordine. Précis, hein. Ouais, donc plutôt par là. Ouais, on en avait croisé par là. C'est vrai, elle nous avait foncé dessus, les salopes. Saloperie. Saloperie. Oh merde. Je ne pensais plus au fait que c'était en bas. Où qu'elle est. Je continue à cramer. Pourquoi je crame ? Ah !
c'était que ça marchait. Grip. Grip. Ouais, j'ai la flemme de sortir le golem. Oh, salope. Ça passe. Je bouge plus. Genre là, y a pas une seule saloperie. De la gueule du monde. Mais si par ici, on avait... C'est parce que j'ai rien sur moi. Au secours. J'ai pas... Ah, c'est vrai, je suis pas encore anti-flamme. Là. Pas du tout. Mais là je prends une photo. Autre chasse. J'aurais dû rester plus sur les bords. Il y en a toujours sur ces trucs-là. Ne fais pas attention à moi. Attends. Dès... Il est 20h. Attendez, est-ce que j'ai l'amélioration? Non. Non, non. Ouais, regarde ça. Tant pis. Pour l'instant, elles sont 4. Bon, j'ai cru que... Allez, il y en a toujours sur ces côtés de merde là. Je me demande est-ce que c'était... C'est juste qu'il avait une... un rocher sur son machin. Oh ! Est-ce qu'on a en photo un inox noir ? Non. Non, nous n'avons pas en photo en inox noir. Nous n'avons pas complètement perdu notre temps. Arrêtez de passer devant moi, s'il vous plaît. Oh. Oh là, déjà. Oh, c'était de la merde. Où sommes-nous? Mais plus du tout sur la chaîne d'ordination. On aurait dû faire là, parce qu'il y en a là, normalement. Attends, je crois qu'il y en a dans ce coin-là. Oui, nous sommes à la recherche de
de trucs que nous avons déjà rencontrés. Juste pour... une étoffe! Une étoffe, c'est tout ce qu'on veut! Et un Stalinox. Où est-ce qu'on a vu un Stalinox déjà? Attendez, d'abord on va faire un petit tour. La meuf qui sait pas ce qu'elle veut. Chiante! Aux sources chaudes. Pibitch. Pibitch, pardon. C'est long, hein? Je sais. Du coup, il n'y a que Babil avec nous. Je sais plus s'il y a toujours des autruches près du relais d'Ordine, là, qui est en bas. Ah mais elles vont être parties là, les autruches là de merde. Elles vont être couchées là. Les saloperies. Est-ce qu'il y a les nounous? Là, on est limite. On est parti du mauvais côté. Du mauvais côté. Basse température dans les régions très froides. Mieux vaut porter des vêtements chauds ou manger des plats qui réchauffent pour éviter de perdre des cœurs. Traverser des miasmes vous fait perdre des cœurs. Le saviez-vous? Je cherche des connasses. Non, Link. Mais non, ça va pas marcher. Oh, regardez. Attends, non, donne. Oula, on a récupéré le play au bon moment. Donc je disais, voilà, merci. Sérieux, que de l'ambre, vas-y.
fait un report. Ok, j'ai compris. Non, moi je veux un Stalinox, pas un Stalmobokoblin. Wolf. Allons directement. Je crois qu'il y en a là. Je suis pas sûre. Oui, c'est bon. Est-ce que vous voulez que je fasse ça en off ? Certes, ce serait plus simple. Le serait-ce réellement ? Regardez ! Mais si, on a un pan. Attendez, on va aller dormir. Ah merde. C'était pas un bon dodo, ça. C'était pas un bon dodo. Non mais faites pas attention à moi, je vous assure. Non, j'ai juste... Bon, la nuit nous a peut-être compliqué la tâche. Bon, moi, ça fait venir l'Ordrak. J'étais persuadée par là-bas, il y en avait... Ah. Wow. Pardon, mauvais... Est-ce qu'on s'est fait attaquer par des autruches par ici, hein? Bah le voilà. Attends, il y a des bœufs. Des bœufs qui n'ont rien à foutre là. Pardon, c'est un cerf de montagne. Pas d'autruche. Là ! Que non, c'était peut-être un peu risqué de... Vous me connaissez. Force. Je disserte avec moi-même. Des oui, non, mais peut-être que...
Non mais je fais ça, mais... Comme ça, en plus j'aurais pu... Gros, c'est débile. Ah, il est juste là. Non, pardon, c'était... Pardon, je me suis un peu emballée. Excusez-moi. Oh, que fais-tu là, toi? Où qu'en est le monsieur, là? Monsieur, il est lent du... Fessier! Je crois que c'est un peu chaud là-haut. Mais je suis pas sûre. Voilà, donc le pas sûr était vraiment pas sûr. Mais quel est là? Il est lent. Oh, on va devoir l'attendre. On va devoir l'attendre. Qu'est-ce qu'il est lent? Parce que nous, il faut qu'on atterrisse sur son dos, bien entendu. Sinon, vous, comment ça va? J'espère que tout va bien chez vous. Vous avez le droit aussi d'aller bien. D'aller mal, pardon. Vous avez le droit d'aller bien, bien entendu. Mais il est normal d'aller mal. Parce qu'on ne peut pas forcément être bien tout le temps. Des fois, on est juste bof. Et c'est comme ça. Ouais, il est un peu lent, le monsieur. Allez. On va à sa rencontre. J'espère qu'on va être assez ouf. Oui, sans doute. Il faut se viser. Se viser un peu sur le côté. Pas tout devant parce qu'on se prend des boulettes de feu. Mais sur le côté. Il manquait quoi pour lui ? Des griffes. Parce qu'on a ça. Mais on en a qu'une, c'est parce qu'on l'avait obtenue au château. Vous êtes tout blanc, monsieur, c'est bizarre. Voilà, il est en train de reprendre ses couleurs. On a chaud à ce point-là ? D'accord. Non, d'accord, on a chaud sur lui. Donc la première fois, on en a toujours 12. Hein. Enfin, je crois. Parce que sur les deux premiers qu'on a fait, il y en avait 12. Hein. Enfin, là, on n'est pas trop parti pour faire du 12, j'ai l'impression. Non, mais c'est rien, c'est Link qui fait son... intéressant. Putain, Link, tu m'as fait peur. Non. C'est pas possible, ce corps.
on va pas aller plus loin. Non mais on s'en fout maintenant de ces autruches. Pardon. Qu'est-ce qu'on met? Merci le vent. Ah. Est-ce que Link... Link ne s'accroche pas, c'est surtout ça. Link glisse, mais il ne s'accroche pas. Si. 1. 12 à chaque fois lors de la première visite. Du coup, on a dit griffe. S'il n'en a pas de... C'est ma faute. Ok, ça s'appelle... Et cette fois-ci, on va essayer de ne pas faire un épisode trop long. Parce que pas envie. Enfin, j'ai dit ça la dernière fois, on était à une heure. Mais je vous promets, là... On va être tranquille. Est-ce qu'on s'arrête tout de suite après ça? Bonne question. Pardon, ce que je voulais, c'était changer de tenue parce que celle-ci, elle est atroce. D'ailleurs, il est où mon... tenue du souvenir? Là. Pardon. Mais même comme ça.
Allez, à Walp. Ça fait chelou quand même. Ah, qui était bien comme photo. Non, ça va venir disco. Celui-là, il est chelou jusqu'au bout. Celui-là aussi, il est bizarre. Celui-là, il est bizarre encore plus. Non, mais on va rester sur des petites bottines classiques, hein. Rénover ma paravoile. Montrer une image. Un petit cube blanc de serre, si tu veux. Oh, pas mal, pas mal. Ours en prêt. Ah non, ça c'est vraiment gamin, ça. Yes. Il y en a un vraiment juste à côté de celle-ci, de Stalinox. Donc on y va, on revient. Ouais, c'est un peu de la triche, mais... Franchement... C'est juste à côté. Donc, tu peux par là-bas. Là. Hop là. Non, tu peux la garder. Exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Pardon. Mauvais bouton. Toujours pas. On va y arriver. Je sais pas si on gagne quelque chose à faire toutes les étoffes. Mis à part avoir toutes les étoffes. Enfin, du... Hé ! Spécialement. Par le teinturier. Parce que bien entendu, il va y avoir d'autres. Il y a certainement d'autres missions qui nous offrent. Monsieur, voilà. Vous n'avez plus de décor. Vous êtes en. Un redressement judiciaire. Chut, chut, chut.
peut-on voir? Du coup, on n'a rien du tout. À part. Et ouais, donc oui, là, il nous propose plus de... Non. J'ai fait toutes celles que j'avais. Ok, les autres, tu les remportes toi-même. C'est juste ça? Non. Nul. Lulinelle, elle est vachement classe. Grioc aussi, ça fait film d'animation, c'est chelou. Ça fait beau, ça fait vraiment... On croirait une affiche de film. Genre, tu mets ça pour la belle au gouvernement derrière. D'accord. Non, mais je comprends. C'est tout à fait ça. Allez. Bien. Voilà. Voilà. Est-ce que quand même il faut pas exagérer? Je vais à ma maison. Qu'est-ce qu'elle regardait déjà, Dame Zelda? Ah oui, c'est pas. C'est moi qui l'ai payé. Yo! Nettoyer! Balayer! Ainsi que... Quand t'as toujours pas temps. Pardon. Il est plus fort que moi. C'est de leur faute aussi. Je suis sûre que... Ils y ont pensé. Les traducteurs, ils y ont pensé, hein. Oh, coucou! Ouais, du coup, il n'y a plus de... Ah, de fausse Zelda qui parle. Pardon, excusez-moi. Je m'attendais pas du tout à me faire... vachement surpris. Surtout que c'était pendant le truc de la lune de sang. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Elle est partie. Ouais, mais il est un peu tôt. Et là, ça a sauvegardé. Pourquoi dans ma maison, ça sauvegarde pas? Enfin, dans la maison à... zéro, ça sauvegarde pas, mais là, ça sauvegarde dans cette maison-là. Pourquoi? Pardon, un peu trop d'énergie. Du coup... Ah, je vous montre, là. Regardez-moi ça. Ça vient de sauvegarder. Voilà. Bref, du coup, YouTube, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Commenter, liker, même partager la vidéo. Je ne peux pas le dire plus vite. Sinon, bien sûr, il y a Twitch, Twitter, Insta, Discord. N'hésitez pas à aller partout, faire les choses partout pour avoir des notifications, tout ça. Et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode.